nango kutana na miso bomoto na zomo na te bilakana yo na teli yo motema yo kolobaki na kozala mokila te mokila te na kozala moto aussi longtemps na fani na makolo na yo liziba na bomo yo yakokauka te yango ngai na tie elike na nga na masiya mwana na nzambe oza moto te to mwana na moto soki olobi lelo lobi obosana na yo bilaka na yo nyonso oyo olaki qu'il est venu récupérer les enfants aller leur exécuter à la maison et cet homme là oui ça c'est le petit garçon et malgré Marcel. On n'a pas pu trouver oui. Ça c'est la police qui était à l'entourage à l'endroit du crime ça c'est le petit garçon comme ça donc quand le père a exécuté les enfants il a appelé maman Rafik la dame qui est à côté du salon de sa femme. Il devrait assassiner la mère oui. Les deux enfants et partir pour lui. Parce que déjà, si tu arrives à faire ce genre de crime, c'est pour dire que non, même si c'est la femme qui était là, tu devrais faire aussi la même chose. Donc, ce que j'avais à vous livrer comme référence, c'est ça. Si vous avez vraiment besoin de l'information, n'hésitez pas. Ne demandez pas l'information à monsieur A, monsieur B, monsieur X. Non, c'est pas monsieur A, B, C, D. Non, il n'y a pas. L'information, demandez sur les références que je vous donne. Le numéro de 409-932-62-83, monsieur Guy Mouélé. Que ce soit les cotisations d'argent, c'est lui qui est en train de recevoir. Le reste, si tu as besoin de demander un peu plus en profondeur, avec le même numéro, il peut vraiment vous donner les références comme il le faut. Mais si vous appelez quelqu'un de gauche à droite pour demander les références, tout ce qu'il va vous dire, je ne pense pas que c'est ça la réalité. Parce que nous sommes sur le terrain, on a vécu tout ce qui s'est passé et jusqu'à présent. Le Congo promo défaté. Bon, le Congo promo pour Ezolo la vérité. Avec le Congo promo, il se donne de sel. C'est pas pareil. Raf Gendo. Check. Igela coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, Taba, Ikote. Nganda Taba. Fenenene. Nganda Taba. Che Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Ntaba Ikote. Au 174 avenue Aristide Briand, 93-320, le pavillon sous bois. Ntaba Ikote. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikote. Ntabaikate 01 41 55 00 00. Ntabaikate. Takas Descart Construction et yeah. Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêve en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiment, immeuble, vente de terrain, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descart Construction. Vous ne serez jamais déçu. Pour tout contact, notre email est descartconstruction@gmail.com.
www.radiofréquenceplus.com. Notre numéro de contact, +447 93 92 82 813. Et appelez-nous pour Kinshasa, +243 89 91 56 86 2. Descartes, construction, Atozana Mbongo Moke, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michelou Atlantic Shipping, Eyei, Banaya Canada, Banaya USA, Bomitongi Sali Susute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitongi Sapenzate. Plus, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. +1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na +243 89 551 30 38. Michelou Atlantic Shipping, Yaboye, Baziwapi. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain, mais attendez, 2 minutes. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois, sur la nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. Hugues la coiffe Ikoté. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chiquicha, chiquicha, cha cha. La beauté peut nous changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, nindindi pour les hommes. Une tragédie, mes amis, vient une fois de plus encore frapper la porte de Houston. Annabelle et Marcel non plus. Ils ont été trouvés morts dans leur maison par la police et la maman qui est inconsolable. Les amis, bienvenue à La Famille West, un programme de Blaise MK. Une tragédie, mes amis, vient une fois de plus encore frapper la porte de Houston. Annabelle et Marcel non plus. Ils ont été trouvés morts dans leur maison par la police et la maman qui est inconsolable. Les amis, bienvenue à La Famille West, un programme de Blaise MK. La communauté congolaise, certes, est en deuil. Est en deuil par ce double meurtre de 2 enfants. Alors, pour en discuter en long et en large, je reçois un homme qui était proche de la famille. Bonjour mon ami. Bonjour monsieur Blaise. Je pense que souvent on se rencontre d'autres occasions pour s'amuser, mais cette fois, c'est pour une question si importante. Pour commencer d'abord, Annabelle a combien, quel âge d'Annabelle et de Marcel? 2 ans. Annabelle, 2 ans. Marcel, 8 ans. Marcel, c'est le petit garçon que vous voyez défiler derrière à la télé, la grande télé. Je n'ai pas pu avoir mettre ma main sur la photo d'Annabelle. Et voilà, qu'est-ce qui est arrivé, mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous savons que tout est sur le site de la police, c'est officiel. L'homme a été arrêté. Pendant ce temps, il est en prison. Il attend son jugement qui est à venir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le mari a chassé la femme de la maison. Pour dire que
il est en train de suspecter sa femme sortir avec un homme dans l'entourage de son travail. Le mari a fait sortir la femme et les deux enfants à 23 heures la nuit. Mobali a bengani moi sinaba nanda ko à 23 heures la nuit. Les enfants et la femme sont partis dormir dans le salon de leur mère à 23 heures. Dans le salon de coiffure qui est là sur Fondren, oui, je vois. Et West Belfort, oui, j'ai côte à côte de McDonald's. Oui, oui, je connais bien l'endroit là vers Los Arcos. Exactement. Voilà. Elle est allée dormir dans le salon qui est à Los Arcos. Exactement. Avec les enfants. Avec les enfants. Avec cette peine, la maman n'a pas pu avoir la facilité de changer son avis pour revenir envers le mari. Maintenant, le mari, avec cette colère, comme il avait l'habitude d'aller prendre les enfants, il les amène à McDonald's là-bas, après ils partent à la maison. Pendant qu'il était en difficulté avec sa femme, il avait l'accès aux enfants. Il avait l'accès aux enfants. Il allait prendre les enfants, les amener à McDo et tout ça. Exactement. Maintenant, du fait qu'il avait l'accès aux enfants, voilà là où il a eu le temps qu'il est venu récupérer les enfants, aller leur exécuter à la maison. Et cet homme-là. Oui. Ça, c'est le petit garçon. Et malgré Marcel, on n'a pas pu trouver. Oui. Ça, c'est la police qui était à l'entourage, à l'endroit du crime. Ça, c'est le petit garçon comme ça. Donc, quand le père a exécuté les enfants, il a appelé maman Rafik, la dame qui est à côté du salon de sa femme. Voilà. Comme la femme l'avait déjà bloqué sur le téléphone. Quand il appelle la dame là pour lui dire que non, passe le téléphone à ma femme, je vais lui donner un message. Bonnes nouvelles. Okay. Maintenant, quand la dame là prend le téléphone et passe le téléphone à sa femme, il lui dit que non, va récupérer tes enfants là-bas. Quand la maman laisse le salon pour se rendre maintenant à la maison là où ils étaient là-bas. Bonjour, bonjour. Bonjour. Fais sa côte, papa. Mais papa, j'ai fait service et j'ai fait partout dans le monde. Tu es au cousin du Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas c'est le cas la minute, j'ai fait service et j'ai fait service là-bas. Je suis là. Là, bien, à moi, hein. Pour la Yébi Gabiti. Samia a dit que j'y vais servir et ça n'a rien. Mais pire, vous avez un peu comme à Paris. Ah, on a bien sûr la Bretagne, on a Nantes, on a Pontivy, on a Saint-Brieuc, on a Loudéac, on a Angers, on a Léman. Si on a fait un peu de Paris. Bonbon, que bel et moi. J'y vais servir, vous avez un cambo, un poto, un moquille, un bimba, partout dans le monde. Après, c'est ça, mon co, j'y vais servir. Saint-Thérèse na Chili, station Saint-Thérèse na Sibanango, à force de la police. Kune bakangi batu, awa yo kangi koli. Chime service, ayuna. So Raf Ngindou, félicitations pour la promotion sala pour na artiste. Que Dieu te bénisse. A connaît pas demander à rien en face. Donc Congo promo Raf Ngindou nde. Nanga mabete Congo promo Raf Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, il y a un peu de salaté. En tout cas, félicitations, merci, Sito et Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo, Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bicolo, Congo Promo, ne. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui t'accosse net dans le film. Congo promo, babou nananango. Babou. Raf Ngindou. Congo promo. What a plus, what a nabi boss là. Il est parti maintenant trouver les deux enfants a été exécuté. Moi, je n'ai pas vu la position ou comment les enfants a été exécuté. Ça, bref. C'est que les enfants sont morts. C'est qu'on sait que non, les enfants ont été exécutés. Morts, tués, voilà, d'un terme très simple et clair. Exactement. Tués par leur propre papa. Leur propre père. Leur propre père biologique. Exactement. Okay.
Leur père leur a assassiné. Ok. Il a pris sa propre voiture. Il est parti pour lui à Pasadena. Donc, au moment où la police a mis l'alerte pour chercher les références de sa voiture, oui, et la plaque matricule de, oui, sa voiture, ils n'ont pas pu trouver la personne comme il le faut. Mais les références, c'est que Dieu merci, le gars lui-même, il a tiré une balle dans son pied. Et la place là où il était, les gens ont compris le son des tirs de fusil. D'une arme. Ils ont appelé maintenant la police. Donc il a fait un suicide qui a échoué. Qui a échoué exactement. En voulant se suicider, il s'est tiré dans la jambe. Exactement. Maintenant la police, quand ils arrivent, pour un peu le temps qu'ils ont perdu pour arriver au lieu de au lieu du crime, là où il devrait faire son assassinat, le sang a un peu coulé et on l'a mené à l'hôpital. Ils ont bandé, ils l'ont foutu en prison. Donc, il n'est pas mort comme il voulait. Il n'est pas mort, il est préparé à tuer les enfants pour aller se donner la vie, se tirer d'une balle, terminer la fin une fois pour toutes. Voilà qu'il s'est tiré une balle dans la jambe. Une balle dans la jambe. Au lieu de se suicider lui-même pour que la caisse ne soit plus là, que non, on va partir au tribunal. En tout cas, mes amis, c'est très dur, perdre deux enfants simultanément, le même jour, dans des conditions pareilles, si cruelles, c'est très mal. La communauté congolaise est certes endeuillée. Et pour toute contribution, veuillez contacter à M. Guy Mouélé au numéro 409-432-62-83. Je vais afficher le numéro au bas de l'écran pour que vous puissiez à contribuer, contacter la famille. Et toute question aussi, contacter la même personne. C'est 409-932-62-83. Monsieur Guy Mouélé, ici à Houston, au Texas. C'est là où se tient jusque-là la veillée. La veillée aussi se tient sur Corporate Drive, sur 7502 Corporate Drive, appartement 62. Houston, Texas, zip code 77036. Contactez ce numéro pour toutes les informations de la veille que vous avez besoin. Et vraiment essayer de mettre les choses en place pour au moins consoler notre grande sœur Rose Sabine. Vraiment, ce n'est pas facile. Oui, oui. Comme il le faut. On doit le soutenir jusqu'à la fin de la vie. Alors maintenant, on a aussi besoin des fonds pour l'enterrement. Et la collecte des fonds, à quel niveau? La collecte des fonds, c'est M. Guy Mouélé qui reçoit les collectes des fonds qui vient de partout. Okay. Contactez M. Guy Mouélé sur le même numéro que vous voyez, le 409-932-62-83. Les collectes, c'est lui qui fait ça. Parce que la procédure est vraiment trop lourde. Trop lourde, c'est un meurtre, c'est un crime. 15 000 dollars. Deux enfants, dans le 15 000 $ pour les deux enfants. Vraiment, on a vraiment besoin d'aide immédiatement. Immédiatement, on a besoin de votre aide immédiatement. Contactez M. Guy Mouélé pour votre participation à ces funérailles qui doivent s'organiser dans les jours à venir. Ces deux enfants qu'on a perdus, aujourd'hui c'est leur tour, demain sera aussi votre tour. Exactement. Les amis, s'il vous plaît, appelez ce numéro-là pour contribuer. N'hésitez pas aussi à passer sur l'adresse. Maintenant, que dire de la famille? Est-ce que la nouvelle est déjà partie au pays? Oui, la famille au pays est déjà au courant. Les deux côtés, ils sont au courant comme il le faut. Les deux familles sont au courant. La seule chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit d'abord terminer avec ce qu'on a ici. Okay. Et derrière, là-bas, s'il y a des choses à arranger, les deux familles qui connaissent la situation qu'il le faut, ils doivent arranger. Mais pour le moment, pour nous, c'est d'abord faire face aux deux innocents. Deux enfants qui sont partis. Qui ne connaissent même pas comment dire un mot. La solution est que c'est ça. On doit faire vraiment face à ce programme et c'est vraiment très urgent, quoi.
Oui, mais quelle était la réaction de la famille de l'homme, si vous avez toute nouvelle là-dessus? Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, les réactions de la famille de l'homme... L'homme n'a pas de famille ici comme il le faut. Les familles de l'homme, c'est au pays. C'est que les réactions de là-bas, nous, on ne connaît pas. Si c'était que la famille était ici sur le terrain, on devrait savoir quelles sont les références. Mais la famille là-bas, on ne nous a pas donné les références. Il n'y a aucune référence ici comme il le faut, oui. Exactement. Oui. Donc, on ne peut pas livrer l'information qu'on ne connaît pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Donc, toute l'information sur ce crime est sur le site de la police de Houston, sur aussi KPR2 News. C'est passé, c'est en ligne, ce n'est pas un secret des polichinelles. Donc, l'information est accessible facilement. Veillez à vous documenter là-dessus si vous voulez voir de plus amples informations là-dessus. Nous continuons à vous encourager à aider la famille qui est éprouvé ici pour devoir enterrer les enfants. On est en train de faire une collecte de fonds. Nous vous prions de répondre positivement en appelant une fois de plus M. Guy Moulet. Exactement. Et la sœur, tu sais dans quelles conditions elle se trouve pour le moment? Bon, la sœur, vraiment, on est en train de faire le mieux possible pour la consoler, au moins la consoler du matin au soir, parce que ce n'est pas vraiment facile, quoi. Ce n'est pas vraiment du tout facile. Dans ton avis, dans les cas comme ça, de pareils cas au Texas de justice, qu'est-ce qui va arriver à ces gars? Ah, mais la justice doit faire son travail. C'est ça le problème. Même si leur père avait le problème à y voir avec sa femme, je ne vois pas quelle est la liaison entre le père et la mère, ils ont des problèmes et que c'est les enfants qui doivent payer le pot cassé. Mmh. Et lui, il va rester là-bas en prison. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Si c'est que le physique qu'il avait pris pour se suicider lui-même, oui, il a tué les enfants, il s'est suicidé, on arrête la caisse par là. Mais il prend le fusil pour tirer au pied, pour qu'on l'amène en prison, on puisse lui garder là-bas, ou bien pour qu'il puisse faire quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que non, si tu prends la sœur d'autrui, oui, la femme d'autrui, oui, tu fais oui, les enfants avec lui, oui, l'enfant d'autrui, ça oui, devient un, ton esclave, oui, deux, prisonnier, trois, je ne sais pas, une véhicule garée au storage, je ne pense pas. Mais pourquoi est-ce que généralement les hommes africains qui vivent en Amérique ne savent pas lâcher leurs femmes facilement s'ils ont des problèmes entre eux? Pourquoi achètent toujours des problèmes comme ça, ils aboutissent au crime? Pourquoi ils ne peuvent pas lâcher la libre calmement, laisser l'enfant de truc aller faire tailler son chemin et vivre en paix? Lui, il avait déjà chassé la femme. Bon, tu chasses la femme, ce n'est que la femme qu'il avait chassée. Oui, oui. Il a chassé la femme avec les deux enfants. Oui, oui. Mm-hmm. Et du fait qu'il a chassé la femme avec les deux enfants, je ne vois pas quel était encore son problème qu'il voulait que la femme revienne encore à la maison malgré qu'il l'avait chassé à heure tardive. Qui soutient la femme ici? C'est lui. Oui. Les enfants, c'est lui. Oui. Donc, lui, il a vu... C'est les choses de Dieu seulement, quoi. C'est Dieu qui a épargné sa femme d'être sur le lieu du crime. Pendant ce temps, sinon, là-bas, il devrait assassiner la mère, oui, les deux enfants et partir pour lui. Parce que déjà, si tu arrives à faire ce genre de crime, c'est pour dire que non, même si c'est la femme qui était là, tu devrais faire aussi la même chose. Tu devrais faire la même chose, pas jusqu'à ce niveau. Mm-hmm. Mais comme le juge a pris la situation en main, oui, je pense bien que les choses vont bien se passer. Je ne pense pas qu'avec le jugement ou la situation du Texas ici à Houston, ils vont baisser le bras et nous laisser souffrir dans de telles conditions. Non, je ne pense pas. C'est que je demande vraiment à tous les Africains qui sont ici, surtout aux États-Unis, oui, 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 vraiment de se tenir main dans la main. On a vraiment besoin de soutien moralement,
financièrement, matériellement. Donc, ce que j'avais à vous livrer comme référence, c'est ça. Si vous avez vraiment besoin de l'information, n'hésitez pas. Ne demandez pas l'information à monsieur A, monsieur B, monsieur X. Non. C'est pas monsieur A, B, C. Non, il n'y a pas. L'information demandée sur les références que je vous donne. Le numéro de 409-932-62-83, monsieur Guy Mouélé. Que ce soit les cotisations d'argent, c'est lui qui est en train de recevoir. Le reste, si tu as besoin de demander un peu plus en profondeur, avec le même numéro, il peut vraiment vous donner les références comme il le faut. Mais si vous appelez quelqu'un de gauche à droite pour demander les références, tout ce qu'il va vous dire, je ne pense pas que c'est ça la réalité. Parce que nous sommes sur le terrain, on a vécu tout ce qui s'est passé et jusqu'à présent, on est en train de vivre ce qui est là sur le terrain. Donc, les vraies références que je suis en train de vous donner, c'est ça. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, papa, grand frère, comme parent, prenez les références au sérieux. Le temps est court. On a besoin d'aide. On a besoin d'argent pour mettre les choses en place au plus vite que possible. Les contacts sont là. C'est tout ce que j'avais à vous donner comme référence. Alors, sur cette note-là, on clôture ce programme de ce soir, les amis. Hélas, les enfants sont partis. C'est un double maître. Nous ne savons pas, est-ce un crime passionnel ou une spiritualité de l'histoire ou encore un envoûtement. Nous ne savons pas à quoi donner à cet événement, à ce carnage, à ce crime. Ah, c'est vraiment ridicule. Voilà les amis, à la prochaine. Hello, bonjour, salut. Mbotenabino, Mbotenabeno, Abayako, Ezande Konabino, Dominique Diomi. C'est votre frère et humble serviteur Dominique Diomi, This is your servant, Dominique Diomi. C'est un plaisir de me présenter devant vous à la fin de mon mandat au sein de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. It is a pleasure for me to present myself in front of you in the term of this mandate that you gave me 3 years ago. Ezai sengo mingi po na ngai ya ko telema liboso na bino awa tango ya mandat oyo bopesaki nga ekomi na suka na yango. Je voulais simplement vous remercier pour la confiance, pour le support et toutes les prières et l'accompagnement dont nous avons été témoins. Nalngaki ko pesa matondo mingi na moko ya bandeko ya communauté congolaise de Dallas pona lisalisi oyo bo pesaki ngai support na bino elongo na mabondeli malendisi ya ndenge na ndenge po ete tokokisa makambo oyo tokokisi na manda oyo. I would like to take advantage of this opportunity to thank all of you for the tremendous support we received during the mandate that we've had to exercise as president of the Congolese community of Dallas for the past 3 years. It is with a lot of joy. It is with a lot of grateful for your support. Nangonga oyo na profité po na koyebisa bino que tozali ko tia lisusu candidature pour notre deuxième mandat. Je profite de cette occasion pour vous annoncer notre candidature pour un autre mandat. I would like to take advantage of this opportunity to announce that we're running for a second term. Durant les 3 années passées, nous avons accompli beaucoup de choses avec vous. Nous avons poussé notre communauté. Nous avons élevé la bannière de notre communauté plus haute. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. During the past 3 years, we've done a lot of things. We've achieved a lot of things together. We've moved our community forward.
We literally put our community on the map. We've accomplished so much, but still, a lot of work remains. Nabambu la misato oyo tozala ki ko dirije communauté, communauté e bandi ko bongwana. Toko kisi makambo ebele. To sali ba avanse ebele. To elongo na bino to tomboli bendele ya communauté na biso na kati ya mokili. Kasi mosala etikali lisusu ya kosala. Pe nanu tolembi bino te. Loko la nzoko alembaka mino na yete tozali na elongo na bino. Po ete to continue kotindika communauté na biso e kende liboso. Alors, nous venons par la présente solliciter encore votre support, votre contribution pour que nous puissions faire de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth la meilleure communauté congolaise dans le monde. Ceci est un processus, certes, mais avec votre aide, nous pouvons le faire. Je voudrais, par la présente, demander à chacun de personnes qui apprécient ce que nous avons fait et qui croient que nous avons encore le potentiel de faire plus, de s'enregistrer, d'être prêt pour venir voter. Bah, iba sepelaki na maye na baide na makambonyo soto kokaki kosala oyo bakanisi ke soki ba pesi biso manda mosusu to kosala lisusu ya minene bakoka bongo ko supporter biso bakoka ko belema po ete bakoka bongo ko voter na maponami o ezali koya ndeko na bino Dominique Diomi. I would like to ask each and every one of you who appreciated the work that we've done in the community, who have thought that the work that was done was on its way to changing our community, to pushing our community forward, to please associate yourself with us again, support what we're planning on doing. If you believe that we have the potential to achieve even more together, I beg you, I ask you of not staying still by coming and voting us once more to the position of president of the Congolese community, and together we'll achieve even more. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous. Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu, en profitez. Boya, parce que promotion, awa, et ils ne copent la moto. CPLA TV. Wow, it's the best. Nathalie Makoma, à bientôt.